Michel, merci de répondre aux questions de Stato e Potenza. Quelles sont les principales positions économiques, sociales, politiques et géopolitiques de votre organisation, le PCN, le Parti communautaire national européen? Nous partons tout d'abord d'une vision socio-économique qu'on appelle le communautarisme européen et que nous concevons comme le socialisme du XXIe siècle. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une société solidaire, d'une société où existe la justice sociale, d'une société où c'est l'État qui commande au monde économique, mais c'est également un socialisme correctif, c'est-à-dire que nous avons tiré, dès la fin des années 60, les conséquences de l'échec économique qui s'annonçait déjà alors du marxisme-léninisme, et nous sommes donc pour une économie où existe un marché strictement contrôlé par l'État pour la petite production, c'est-à-dire les magasins, la production agricole, toute une série de choses. Par contre, ce qui compte pour nous, c'est le rôle dans l'économie d'une entreprise au niveau stratégique, au niveau militaire, au niveau des intérêts pour l'État. Qu'est-ce que cela veut dire? Que ça ne nous dérange pas qu'un fabricant de bicyclettes puisse être une gigantesque firme, mais par contre, tout le secteur militaro-industriel, tout le secteur de la production d'énergie doit être contrôlé par l'État. Ça, c'est une forme de socialisme, c'est le contenu. Le contenu doit exister dans un contenant, c'est la dimension. Nous avons constaté que toutes les expériences socialistes qui avaient essayé de se développer dans un petit pays avaient échoué. Il y a une dimension minimale pour réussir un socialisme scientifique, c'est-à-dire un État de grande dimension, comme l'a été l'Union soviétique, comme l'a été beaucoup moins l'ancienne Yougoslavie ou comme l'a été à un moment donné la Chine. Cet État, pour nous, est assez simple. C'est ce que nous appelons la Grande Europe, c'est-à-dire l'unification continentale de Vladivostok en Russie d'Extrême-Orient, jusqu'à Reykjavik en Islande et du Québec jusqu'au Sahara. Cette vision rejoint en partie, mais je pense que c'est une de vos questions suivantes, rejoint les thèses sur l'eurasisme. Nous avons développé cette vision à partir du début des années 60, avec le fondateur de notre organisation, Jean Thirrière, et nous l'avons développée et adaptée à partir des années 80, notamment en tenant compte de l'échec de l'expérience soviétique. Encore un mot, parce qu'il est important, nous sommes évidemment un parti d'opposition radicale au système. Nous sommes opposés au parti traditionnel et nous sommes opposés, bien entendu, à l'occupation impérialiste de l'Europe par les États-Unis et l'OTAN. Lorsque nous disons, nous nous définissons en fait comme un parti d'opposition extra-parlementaire. Dans les années 1995 à 99, nous avons été représentés dans plusieurs institutions parlementaires belges, notamment le Parlement wallon, le Parlement de la Communauté française de Belgique, l'équivalent d'un conseil régional français qui est le conseil provincial du Hainaut. Nous en avons retiré une expérience totalement négative et nous ne pensons plus que le parlementarisme bourgeois soit une solution et qu'il soit possible d'y trouver une solution. Nous sommes donc un mouvement extra-parlementaire. En particulier, vous défendez une idéologie européiste, celle de la Grande Europe. Que pensez-vous donc de l'Union européenne? Nous dirions que notre vision de l'Union européenne a changé. Lorsque Jean Thirrière a défini dans les années 60 ses thèses sur la Grande Europe, qui évoquait déjà à l'époque une grande Europe jusque Vladivostok. Thirrière, comme moi-même ensuite, nous avons toujours dit que la Russie c'est aussi l'Europe. Notre conception était que l'Union européenne était une étape vers justement, une étape fédérale ou confédérale, vers l'existence d'une grande Europe. Malheureusement, au fil des années, nous avons constaté que l'Union européenne trahissait l'idée européiste. Ça a été à partir du traité de Maastricht, ça a ensuite été l'acte unique, la tentative de constitution,
C'est-à-dire que petit à petit, l'Union européenne, d'un grand projet libérateur et unificateur du continent, est devenue simplement le bras armé politique de l'OTAN. Par ailleurs, le projet de l'Union européenne est exclusivement actuellement un projet qui suit l'agenda de l'OTAN, c'est-à-dire que c'est un projet anti-russe. Voir ce qui se passe actuellement en Ukraine, par exemple. Lorsque vous constatez les deux grandes opérations de politique étrangère de l'Union européenne, c'est-à-dire ce qu'on appelle la PESC, la politique européenne de sécurité collective, et d'autre part le partenariat oriental, dont le but est de détacher la Géorgie, le Bélarus, l'Ukraine, la Moldavie, l'Arménie, de la sphère d'influence russe, ce que les Russes appellent l'étranger proche, on constate que l'OTAN, en fait, domine totalement l'Europe. Cependant, et c'est là-dessus que nous divergeons totalement d'anti-européens ou de ce qu'on appelle les eurosceptiques, nous pensons qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a d'une part dans l'Union européenne les politiciens, c'est-à-dire les représentants du parti américain en Europe, que ce soit la social-démocratie, la démocratie chrétienne, les verts kakis ou les libéraux, ce sont tous les gens qui représentent la domination américaine. Mais à côté de ça, il y a un outil, c'est notamment la Commission européenne, c'est tout l'appareil unificateur qui tourne autour des institutions européennes, c'est le début d'une classe politique européenne. Ce sont des gens qui ne s'occupent pas de politique, ce sont des cadres ou des fonctionnaires. On peut parler à leur sujet de technocratie, mais il faut des technocrates pour faire un État. Ce que eux construisent, c'est un outil de puissance. Cet outil de puissance, il peut exister, comme maintenant, au service de l'OTAN et des États-Unis, mais il peut exister aussi demain, au service de la grande Europe. Vous devez savoir que dans l'histoire du colonialisme, que ce soit le colonialisme français, le colonialisme italien, etc., ce sont souvent les colonisateurs qui ont créé les conditions d'unification des colonies. C'est ce qui se passe pour nous en Europe. Nous attendons deux grands phénomènes, c'est-à-dire d'une part le développement de cette classe politique européenne qui est fréquemment humiliée par les Américains. Il y a, lorsque vous parlez à beaucoup de diplomates, lorsque vous parlez à des gens qui ne sont pas des gens de la politique politicienne, il y a une humiliation par rapport à ce qu'ils sont dans l'Europe, par rapport par exemple aux militaires qui ne sont que l'infanterie coloniale du Pentagone. À côté de ça, il y a un second phénomène, c'est la montée de l'anti-américanisme au sein des masses européennes. Nous disons que les conditions d'une révolution en Europe, elles sont triples, c'est la jonction entre, d'une part, la classe technocratique transnationale européenne, des masses anti-américaines, et pour ça, parce que nous sommes léninistes, nous sommes aussi les héritiers de Que faire, nous disons qu'il faut un parti révolutionnaire de cadre, et c'est à cela que mon organisation travaille. Venons-en à la question qui déchire l'Union européenne. Que pensez-vous de l'euro et de la crise financière qui lui est liée ? Je pense qu'il y a actuellement une très grande confusion entre les causes et les conséquences. La cause de la crise financière actuelle, c'est quoi ? C'est la globalisation ultralibérale, c'est l'économie mondialisée sous domination américaine, et c'est l'appétit économique, l'appétit consumériste des banksters. Je n'hésite pas à employer le terme bankster, parce que c'est de ça qu'il s'agit exactement. La crise de l'euro, elle, c'est une des conséquences de cela. Ce n'est pas comme beaucoup d'eurosceptiques le prétendent. Il y a eu récemment, par exemple, une réunion à Athènes d'une série de partis dont certains, je dois dire, ont des animateurs honorables, mais ils se trompent. Ils se trompent lorsqu'ils croient que l'euro est la cause et qu'il faut sortir de l'euro. Nous sommes en fait au cœur d'une crise économique et d'une crise financière. Derrière cela, il y a une guerre économique. Il y a tout d'abord la guerre économique Europe-États-Unis qui existe depuis la fin des années 70. J'ai beaucoup moi-même écrit dès 1984-85 sur cette guerre économique. C'est ce que j'appelle la contradiction interne de l'Union européenne, c'est-à-dire qu'on a d'une part une domination, une alliance complète, c'est l'atlantisme,
militaire et politique avec les États-Unis, mais que parallèlement à ça, le principal ennemi économique des États-Unis, c'est précisément l'Union européenne. À cela s'ajoute la guerre des monnaies. La guerre des monnaies, ça a été longtemps une partie à deux, l'euro contre le dollar. Il y a une spéculation grâce à la crise. Le semblant de prospérité américaine, les réponses notamment d'Obama à la crise, il repose beaucoup sur la manipulation du dollar et la destruction de l'euro. Il faut voir les campagnes, par exemple, d'un George Soros, le financier international, qui est le conseiller économique d'Obama contre l'euro. À cela s'ajoute maintenant une autre guerre. C'est la guerre que la Chine fait au niveau financier. C'est-à-dire la guerre du yuan contre à la fois l'euro et le dollar. Vouloir dans ces conditions revenir à l'ancien système, c'est-à-dire toute une série de monnaies séparées de petits États, c'est se tromper de dimension. J'insiste, et Jean Thérière avant moi, sur la question de la dimension européenne. Il y a des gens en France, Montebourg au sein de la social-démocratie, qui jouent un théâtre sur la France. Il y a des petits nationalistes, la plupart à droite, qui également voudraient revenir à une grande France, une grande Italie, une grande Espagne. Tout ça n'est pas crédible. Nous sommes à l'heure des grands empires. Nous faisons face à une Chine de plus d'un milliard de consommateurs. La force des États-Unis, c'est d'être un grand marché unitaire. Et nous devons être un marché. Nous ajoutons une chose. La solution à la crise, elle existe. Mais elle n'existe pas au sein du système capitaliste libéral. La solution à la crise, quelle est-elle ? C'est également une théorie qui existe depuis longtemps. Elle a été définie par Friedrich List, qui est un économiste allemand au XIXe siècle. C'est l'homme qui a créé le Zollverein, l'union économique allemande, qui a permis l'unification allemande par Bismarck. Quelle est cette théorie ? C'est celle du nationalisme économique. Ce nationalisme économique, il doit être européen. Et il doit s'inscrire dans une volonté, d'une part, la fusion des économies, celle de l'Union européenne et celle du bloc russe, c'est-à-dire de la seconde Europe qui se crée à l'Est. Nous sommes complémentaires, nos intérêts sont les mêmes, nous sommes la même culture, la même civilisation. À ce bloc doit être attachée également la Turquie et l'ensemble de l'espace méditerranéen. La solution, elle est simple, les trois Roms. La première Rome, celle de l'Italie. La seconde Rome, Byzance, aujourd'hui Istanbul. La troisième Rome, qui est Moscou, doivent s'unir pour former la quatrième Rome, la grande Europe unitaire. Cela suppose évidemment les liens totalement coupés et une situation conflictuelle que nous assumons parfaitement avec l'impérialisme américain. Vous avez commencé votre action en Belgique il y a plus de 40 ans et la centrale du PCN est installée à Bruxelles. Dans quelle situation est la Belgique ? Le PCN est une organisation transnationale. Nous sommes nés par hasard en Belgique, tout simplement, comme dans les années 60, Jean Thérière, qui lui-même était belge, de passeport, je le précise, puisque, comme moi, il se considérait comme un Français de Belgique. Nous avons développé le parti à partir, évidemment, de cet espace-là. Nous n'avons pas un attachement particulier à la Belgique, ni à aucun État européen actuel. Nous sommes une organisation transnationale. Notre centrale est à Bruxelles. Nous avons des secrétariats à Paris, en Moldavie, en Russie. Notre secrétaire général, Fabrice Béor, est installé en Russie depuis plusieurs années. Nous avons des secrétariats, notamment dans le Caucase, près de Sotchi et à Moscou. Nous sommes tout à fait détachés. La question de la Belgique, néanmoins, elle existe, puisque nous avons démarré là-bas, nous nous battons là-bas. Certaines de nos structures sont des structures de droit belge et nous menons une guerre contre l'État belge depuis maintenant plus de 20 ans. De quoi s'agit-il simplement ? C'est que pour des intérêts qui sont liés à la particasserie belge ou des intérêts liés à ceux de l'OTAN, l'État belge nous fait subir une répression rampante. Je vis moi-même depuis deux décennies dans des procès à répétition, des attaques qui sont menées. Nous n'avons donc pas de sympathie. Nous ne sommes pas du tout des gens qui, lorsqu'on les frappe sur la joue droite, tentent la joue gauche. Nous répondons par un coup de poing dans la gueule.
et nous sommes des adversaires résolus de l'État belge et nous soutenons actuellement toutes les tentatives, d'où qu'elles viennent, de dissolution de l'État belge. Cela veut dire les forces républicaines, à droite en Flandre et à gauche en Belgique. En Belgique, il y a un mouvement de gauche que l'on appelle rattachiste, c'est-à-dire qui voudrait que Bruxelles et la Wallonie fassent retour à la République française, dont nous avons été des citoyens sous la Première République, à l'époque de la Révolution jacobine et du Premier Empire français. C'est un mouvement qui s'appelle notamment le Rassemblement Wallonie-France. On appelle cela le rattachisme et nous soutenons cela aussi. La Belgique, c'est un État failli. C'est un État artificiel qui a été créé en 1830. Certains ont parlé de monstre géopolitique. Il a été créé pour empêcher la puissance française impériale de renaître. Il s'agissait pour les Britanniques de contrôler Anvers. Ensuite, on a installé une monarchie parasitaire, c'est la dynastie des Saxe-Cobourg. Ce sont des cousins des Windsor britanniques. Ce sont des gens qui ont mis le pays en coupe réglée, qui ont lancé sous le roi Léopold II la Belgique dans une immonde aventure néocoloniale. Vous devez savoir que les camps de concentration n'ont pas été inventés par les Britanniques lors de la guerre avec les Bourgs. Ils n'ont pas été inventés, bien entendu, par Adolf Hitler, qui n'a fait que généraliser. Ils ont été inventés par les hommes de main du roi Léopold au Congo. Cette dynastie est encore en place. Le dernier, c'est le roi Philippe qui vient d'accéder au pouvoir. Ce sont des gens qui sont une classe parasite. Autour d'eux existe une classe politicienne, médiatique et du show business également parasitaire. Comptez par exemple les nobliaux, les particules d'ancien régime sur les ondes de la RTBF et vous verrez ce qu'est le système belge. Parlons franchement, la Belgique est très importante actuellement parce que c'est le verrou géopolitique de l'Union européenne. Elle a longtemps servi de modèle et la classe politicienne belge, en particulier la démocratie chrétienne belge, fournit depuis maintenant un demi-siècle les pseudo-dirigeants de l'Union européenne. Beaucoup, avant d'ailleurs de diriger l'Union européenne, commencent par être secrétaire général de l'OTAN. Cette classe politique, évidemment, est soutenue par un appareil, les États-Unis, l'OTAN, l'Union européenne, qui ne veut pas voir Bruxelles, la Belgique, où se trouve justement les centrales de l'Union, la capitale de l'Union européenne et la centrale de l'OTAN, se dissoudre. Ce qui se passe en Belgique, c'est quelque chose de capital. Il faut simplement comprendre une chose, et nous sommes parfois mal compris, la seule force politique actuellement en Belgique qui a la capacité de faire éclater l'État belge, c'est le nationalisme flamand. C'est pour ça que nous avons au niveau du PCA d'excellents rapports avec les formations nationalistes flamandes, même si idéologiquement nous sommes très loin l'un des autres, les uns des autres. Eux ont la puissance. Lorsque la Belgique éclatera, c'est-à-dire que ça peut arriver rapidement ou lentement, la Belgique c'est un cadavre en décomposition dans lequel on a maintenu une apparence de vie. Ça peut aller vite ou pas, la question n'est pas là, mais lorsque cela arrivera, il y aura, nous l'espérons, un effet de domino en Europe. La France occupe une grande place dans vos réflexions. Vous avez beaucoup écrit il y a déjà 20 ans sur l'axe Paris-Moscou, mais vous dénoncez aujourd'hui l'axe Washington-Tel Aviv-Paris. Quelle est la situation de la France? Il faut tout d'abord comprendre une chose. En géopolitique, il n'y a pas de situation acquise. La géopolitique, c'est un rapport de force à un moment donné. Je voudrais tout d'abord vous faire une remarque pour qu'il n'y ait pas de confusion. Je suis né dans la culture française, qui est une très grande culture européenne, mais cela ne fait pas de moi un partisan de la France. Je n'ai pas d'attachement à un État particulier en Europe. Je dirais, comme un grand écrivain de Liège en Belgique, Alexis Curvers, je suis par moi-même un citoyen de l'Empire romain. Le reste, ma patrie actuelle, je n'en ai pas. Ma patrie, c'est un projet politique, c'est la grande Europe, justement. Et ma patrie, c'est mon idéologie. C'est mon idéologie, le communautarisme européen. La France, c'est un grand pays, on l'a dit, avec une grande culture, et elle a un grand rôle géopolitique en Europe.
pour des particularités qui sont liées justement à sa culture, ce que l'on appelle notamment l'exception culturelle française. Le fait que face à l'anticivilisation yankee, face à la culture de McDonald's, à la malbouffe, au cinéma d'Hollywood, c'est la France qui a le mieux résisté. Seconde chose, la France, ça fait partie, je dirais, de son héritage politique, c'était le pays du général de Gaulle. Le général de Gaulle a été le seul dirigeant européen qui a pris ses distances avec les Américains, qui a parlé de la grande Europe, lui disait jusqu'à l'Oural, parce que la Sibérie n'était pas dans les méthodes de pensée de sa génération, mais lui a tendu la main à Tito, il a tendu la main à Ceausescu en Roumanie, il a tendu la main, bien entendu, aux Russes, aux Soviétiques. De Gaulle a fait sortir la France de l'OTAN. Lorsque l'Union soviétique, malheureusement, a implosé, et nous avions annoncé cette implosion dès les années 1980 avec Jean Thirrière, nous avons cherché un concept de rechange. Je suis, moi, ce qu'on appelle un idéologue. Pour moi, ça n'a pas la connotation péjorative que ça a dans le langage des sciences politiques occidentales. Je suis quelqu'un qui fournit des modes de pensée, qui diffuse des thèses politiques, qui crée de l'idéologie et qui fournit des scénarios pour l'avenir. Avant d'être un militant politique, avant d'être un organisateur, je suis quelqu'un qui pense. La question qui s'est posée justement lorsque l'Union soviétique a implosé, c'était de trouver une solution de rechange. Jusqu'à ce moment-là, nous avions parlé avec Jean Thirrière de ce qu'on appelle l'empire euro-soviétique, c'est-à-dire que nous prônions une unification entre l'Union européenne et l'Union soviétique, avec comme unificateur l'URSS, pas l'Union européenne. L'URSS implosant, la Russie étant humiliée, ce sont la décennie tragique d'Eltsine, c'est la décennie des oligarques, c'est le recul de la Russie, c'est la Russie qui laisse détruire la Yougoslavie, qui laisse bombarder Belgrade. Nous avons donc cherché un concept. Ce concept, c'était l'axe Paris-Moscou. Nous avons été les premiers à en parler dès 1992, et la première apparition du concept d'axe Paris-Moscou, c'est dans un livre qui était consacré au PCN et qui a été publié en 1993. D'autres ensuite ont suivi, notamment François de Grossouf, qui est le fils d'un ancien conseiller de Mitterrand. L'idée s'est popularisée. Quelle était-elle? C'était que les deux pôles de résistance à l'américanisation du monde, c'est-à-dire la France avec l'héritage du général de Gaulle et la Russie avec l'héritage soviétique qui était évident, s'unissent. Ce concept, malheureusement, a cessé d'être opérationnel et est devenu complètement obsolète avec l'arrivée au pouvoir de Nicolas Sarkozy. De Nicolas Sarkozy, j'ai dit que c'était un néocon à passeport français. C'est-à-dire, qui sont les néocons? Ce sont les gens, les idéologues, il y en a aux États-Unis aussi, les idéologues du régime de Bush. Qu'a fait Nicolas Sarkozy? Il a importé le néoconservatisme dit à la française en France. Il a réintégré la France dans l'OTAN. Un ambassadeur américain à Paris a dit que Sarkozy était le plus pro-américain des présidents français, c'est vrai. La France s'est réabaissée, s'est revassalisée. Lorsque François Hollande est arrivé au pouvoir, c'est une autre classe de domestiques des Américains, la social-démocratie pro-américaine, ce qu'on appelle la gauche américaine en France, François Hollande, Manuel Valls, etc. Le mouvement qu'avait fait Nicolas Sarkozy, Hollande l'a encore approfondi. Et on est arrivé à la situation qui s'est passée en Syrie, par exemple, où on a vu que le meilleur domestique de la politique d'agression des États-Unis contre la Syrie bassiste de Bachar el-Assad, c'était la France. À cela s'ajoute l'influence du lobby sioniste en France et aux États-Unis, qui font que les deux États où ce lobby sioniste a une influence déterminante, c'est bien entendu les États-Unis avec l'AIPAC et la France avec le CRIF. Le résultat a fait que l'axe, non seulement Paris-Moscou, n'existait plus, n'était plus possible, mais que c'était substitué à un axe Washington, Tel Aviv, Paris.
Je regrette que certains, maintenant, continuent à entretenir des illusions à propos de l'axe Paris-Moscou. C'est notamment le cas des eurasistes russes de droite, c'est-à-dire les gens qui suivent, par exemple, Alexandre Douguine. Ils opèrent une vision politique qui ne repose plus que sur du vide. Est-ce que cela veut dire que la France a terminé avec son rôle géopolitique en Europe? Je ne le pense pas. Parce qu'il y a un potentiel français. Ce potentiel français, c'est quoi? C'est bien entendu la culture, l'exception culturelle française. C'est l'anti-américanisme viscéral. Les Français sont les plus anti-américains en Europe. Et c'est les souvenirs de la grandeur française du général de Gaulle. Je pense qu'un changement de régime arrivera un jour et que la France retrouvera son potentiel. Un second fait est important quand on considère la France, c'est que l'Union européenne, ce sont des rapports de force, notamment au Parlement européen. Les pays sont représentés en fonction de leur population. Actuellement, parce que l'on a fait l'erreur d'accepter la réunification allemande, c'est-à-dire l'annexion de la République démocratique allemande par l'Allemagne fédérale de Bonn, c'est un Anschluss, ce n'est pas une réunification, ça a fait que l'Allemagne a bénéficié d'un poids politique trop grand en Europe qui explique ce qu'elle fait actuellement. Vous devez savoir que Jean Thirrière était contre, lui disait que la DDR devrait un jour entrer séparément comme État séparé dans l'Union européenne. Le président français François Mitterrand était contre aussi. Les rapports de force de population vont changer en Europe. En Allemagne, on ne fait plus d'enfants. L'Allemagne est en train de perdre sa population. Et le seul pays où la population se développe, c'est la France. Dans une génération, il y aura une grande France qui tournera autour de 80 millions d'habitants et qui redeviendra le premier État dans l'Union européenne, pour peu qu'elle existe encore dans 20 ans. C'est aussi la raison pour laquelle nous soutenons le rattachisme, c'est-à-dire le retour de la Wallonie et de Bruxelles, parce qu'il faut renforcer le poids de la France pour ces raisons géopolitiques. Et bien entendu, les 4 ou 5 millions de Français de Belgique, de Bruxelles, de Charleroi ou de Liège devront contribuer à renforcer ce poids. On est là dans une stratégie géopolitique. On n'est pas là dans des petits calculs politiciens et on n'est pas là dans de l'affectif. Le raisonnement que je vous tiens, c'est un raisonnement logique. Je me rattache, moi, à deux grandes écoles logiques, c'est le marxisme-léninisme et les néo-machiavéliens, les gens comme Pareto, etc. Et donc, nous ne faisons pas dans l'affectif, nous faisons des analyses rationnelles, froides. La politique française est dominée par la question du FN. Que pensez-vous du Front National de Marine Le Pen? Je n'en pense que du mal. Je suis un adversaire radical de l'imposture politique que représente le Front National. Nous l'avons combattu en France. Notre camarade Fabrice Béor, qui aujourd'hui est notre secrétaire général, s'est même présenté à Toulon à une élection législative partielle en 1998 avec une liste qui s'intitulait « La jeunesse contre Le Pen ». Nous l'avons combattu, son clone belge, il y avait un Front National en Belgique, dont nous avons brisé l'ascension dans les années 1994-1996. Nous les avons privés de sénateurs, de députés, du financement de l'État. Mais pourquoi? Pas parce que subitement nous serions gagnés aux thèses antifascistes du régime, etc., qui sont une autre forme d'imposture. Simplement, nous disons que le Front National est une imposture politique. Elle est une imposture au niveau du clan Le Pen lui-même. On est dans une entreprise familiale, avec des gens qui sont des multimillionnaires, qui par leurs liens sociaux sont rattachés à l'establishment français dans ce qu'il a de pire, notamment au niveau du show business. Ce sont des gens qui prétendent défendre le peuple et des petites gens, mais qui vivent dans un château. C'est aussi un clan familial. Marine Le Pen dirige le parti avec Louis Alliot, qui est son compagnon. Elle est la fille de Jean-Marie Le Pen, qui l'a fondée. Parmi les élus au Parlement européen, on retrouve le père et la fille Le Pen. Et une des deux, dans les deux députés que le Front National a au Parlement français, on retrouve la petite fille de Jean-Marie Le Pen.
Ce n'est plus de la politique, c'est un clan familial et c'est du népotisme. Ce n'est pas la seule chose, évidemment. Le FN également, c'est une organisation qui a toujours été du côté de l'impérialisme et du libéralisme. Il faut arrêter pour le moment, grâce à certains conseillers, dont certains viennent de la gauche, le Front National, parce que c'est un parti attrape-tout. C'est un parti qui veut prendre des voix partout, a un discours qui copie un peu ce qu'était il y a quelques années l'altermondialisme. Mais dans la réalité, allez voir, lorsqu'on a voté le fameux traité transatlantique, c'est-à-dire l'avalement de l'Union européenne par l'économie américaine, c'est ça le traité transatlantique, la destruction de notre culture, eh bien, les Le Pen, père et fille, au Parlement européen, ont voté pour ce traité. Une dernière question, il y a actuellement, notamment dans la périphérie du Front National, des gens qui tiennent un discours pro-iranien, qui tiennent même un discours pro-immigration, c'est la question du sionisme. Le père Le Pen a toujours défendu des positions dites antisémites, mais il a toujours lui-même été l'un des défendeurs d'Israël, parrain des Arabes. Le Front National actuellement, principalement par le compagnon Louis Alliot de Marine Le Pen, qui est son secrétaire général, a effectué une position de rapprochement avec la droite sioniste et avec Israël. Dernière chose, nous sommes opposés au Front National parce que le projet du Front National est incompatible avec le nôtre. Quel est ce projet? C'est le repli national, c'est la xénophobie. Nous sommes, nous, au contraire, pour une grande Europe sans frontières. C'étaient les thèses de Jean Thiriard, ce sont les miennes. Et nous avons fait, notamment depuis le début des années 80, campagne pour l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne, mais également pour l'entrée des pays du Maghreb, qui, on l'oublie souvent, le Maroc ou la Tunisie, sont candidats à l'entrée dans l'Union européenne depuis de nombreuses années. Nous pensons donc que les positions du Front National sont totalement incompatibles avec les nôtres. Une dernière chose, elle est importante, nous sommes aussi opposés au Front National pour des raisons politiques pures. Nous pensons qu'une grande force d'opposition doit se créer. Cette force d'opposition, elle doit unifier les mécontents aux deux extrêmes de l'échiquier politique, à droite et à gauche. C'est la raison pour laquelle nous sommes souvent taxés de national-bolchevisme ou de national-communisme. Mais qu'on ne se trompe pas, nous avons prôné cela, nous le prônons encore, nous avons notamment à un moment donné parlé de la Constitution en Belgique, et nous l'avons fait, d'un front noir-rouge-vert, noir pour les nationalistes révolutionnaires, rouge pour les socialistes et les communistes, vert pour les écologistes radicaux, nous entendons cette unité à la base, c'est-à-dire au niveau des militants et des clientèles politiques. Pour que cette union puisse exister, il faut que disparaisse ce que nous appelons les digues qu'a créé le système. Quels sont les digues qu'a créé le système? Ce sont les gens, à l'extrême droite et à l'extrême gauche, qui sont chargés d'endiguer le mécontentement et d'empêcher que droite et gauche puissent s'unir dans un grand mouvement anti-système. En France, c'est le rôle dévolu à Marine Le Pen à droite et à Jean-Luc Mélenchon, par exemple, à gauche. Quel est le but de Le Pen? Ce n'est pas la révolution en France, c'est de devenir ministre dans un grand gouvernement de droite. Et pendant que s'opposent droite et gauche, extrême droite et extrême gauche, antifasciste et nostalgique du fascisme, pendant ce temps-là, le système a une tranquillité totale. C'est, pour employer un langage plus direct, c'est un genre de proxénétisme aux extrêmes qui est fait par des gens qui sont les proxénètes du système. Comment jugez-vous le rôle joué par l'Allemagne au cours des dernières années? Je le juge extrêmement négatif. L'Allemagne, c'est quoi? C'est un peu en réduction ce qu'est l'Union européenne. L'Allemagne, c'est un géant économique, mais c'est un nain politique. La politique de Berlin est totalement sous contrôle de l'OTAN et des États-Unis. Les États-Unis jouent un rôle très intelligent.
c'est-à-dire qu'ils laissent les pays européens qu'ils occupent avoir des nostalgies de leur grandeur passée. Et l'Allemagne, clairement, a des nostalgies du rôle géopolitique qu'a joué le Deuxième Reich de Bismarck et Guillaume II et le Troisième Reich d'Adolf Hitler, notamment dans les pays baltes, en Europe centrale et dans les Balkans. Mais tout cela sert à quoi ? Tout cela sert à l'expansion de l'OTAN à l'Est. Qu'a fait l'Allemagne ? L'Allemagne a joué un rôle crucial dans la destruction de la Yougoslavie, en soutenant notamment les Slovènes, les indépendants slovènes et croates. L'Allemagne a joué un très sale rôle dans les pays baltes, en entretenant notamment l'agitation anti-russe. Et regardez ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. En Ukraine, c'est une opération pilotée par Berlin et les services secrets allemands pour renverser le gouvernement légal et légitime ukrainien, le remplacer par un régime pro-occidental, un régime de marionnettes, et les Allemands jouent un rôle central. Le futur candidat de l'opposition pro-OTAN unie, c'est le boxeur Klitschko. C'est quelqu'un qui a un passeport et la nationalité allemande. Son parti a été fondé à Munich. Les groupes d'extrême droite qui forment néofascistes, bandéristes, les nostalgiques du fascisme ukrainien de Bandera, des pogroms antisémites et anti-polonais des années 1941 et 1945, ce sont aussi des gens qui sont sous le contrôle du BND, le Bundesnachrichtendienst, ce sont les services secrets allemands, depuis le début des années 1950 avec le fameux général Gönnen, qui jouait le même rôle avant pour Adolf Hitler, qui dirigeait la partie des services secrets allemands qui s'occupait de l'agitation anti-soviétique dans les pays de l'Union soviétique. L'Allemagne a donc un rôle extrêmement négatif. J'ai parlé d'illusions sur l'axe Paris-Moscou. Certains, ce sont les mêmes, parlent parfois d'un axe Paris-Berlin-Moscou, continuent aujourd'hui à agiter cet axe. Cet axe ne repose sur rien, je le répète, voire l'Ukraine. Mais par contre, il y a un énorme potentiel. Ce potentiel, quel est-il ? C'est une tradition de la politique allemande depuis 1918, et on rejoint l'univers du national-bolchevisme, c'est l'orientation à l'Est. Si l'Union européenne se désagrégeait, ou si l'Union européenne tournait vers un confédéralisme mou, ou encore si le bloc de l'OTAN se désagrégeait, l'alliance naturelle de l'Allemagne sera alors la Russie. Et l'Allemagne, au lieu d'être un élément de confrontation, sera un pont entre les deux Europes, entre l'Europe de l'Union européenne et entre la seconde Europe eurasiatique que Moscou est en train de construire. Comment évaluez-vous le rôle joué par l'Italie au cours des dernières années ? Le rôle de l'Italie. Quand je vois l'Italie, quand je vois votre vie politique que je suis quotidiennement, je pense à la Belgique. Je vois comme en Belgique un État failli. Je vois un État où une caste politicienne a mis un pays entier au pillage. Je vois l'inefficacité, je vois la corruption et je vois les mêmes partis. N'oubliez pas que les deux États qui ont été dominés par la démocratie chrétienne, c'est précisément la Belgique et l'Italie. Je vois aussi une seconde chose, et on revient à ce qu'on disait à propos de l'Allemagne, c'est les nostalgies néocoloniales que les Américains laissent entretenir. L'Italie a joué pendant trop longtemps une sale carte colonialiste en Libye, c'était le temps de la lutte du grand leader Omar Mokhtar. Et aujourd'hui, on voit que l'OTAN confie à l'Italie la recolonisation de la Libye, la création d'une armée coloniale fantoche. L'Italie ou la Belgique ou la France n'auraient pas une grande importance par eux-mêmes. Mais l'importance, elle est dans l'analyse d'un phénomène généralisé. C'est ce que les marxistes appelaient la bourgeoisie comprador. Ils parlaient à ce moment-là de la bourgeoisie de l'Empire portugais, notamment à Macao, etc., qui aidait les Portugais à coloniser. La classe politicienne de l'Union européenne, c'est une bourgeoisie comprador. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que ces gens n'ont plus le pouvoir politique
et que pour garder la domination en tant que classe dirigeante, la domination économique, le pouvoir de la bourgeoisie, ils ont accepté de se soumettre aux États-Unis. Lorsque les États-Unis interviennent en Europe, le 6 juin 1944, ils ne viennent pas libérer l'Europe, ils viennent l'occuper. Dans le langage encore aujourd'hui des historiens militaires et des généraux de l'époque, le débarquement de Normandie s'appelle l'invasion, c'est plus clair comme ça. Pas la libération, le débarquement, l'invasion. Les Américains ne sont jamais repartis. Ils sont encore là depuis 1944. Leur technique, c'est quoi justement? C'est d'avoir utilisé dans l'Europe entière une bourgeoisie comprador. Pour parler directement, je dirais que la classe politique européenne, ce sont les vaincus en France, en Belgique et dans d'autres pays. Ce sont les vaincus de 1939-40. Et en Allemagne ou en Italie, ce sont les vaincus de 1944-45. Lorsqu'on comprend ça, on voit que la classe politicienne de l'Union européenne, ce n'est plus une classe qui exerce le pouvoir. Un exemple frappant actuellement, c'est les aventures coloniales de la France en Afrique. Libye, Mali, Centrafrique. Et beaucoup d'intellectuels africains font une mauvaise analyse. Ils disent c'est le retour de la France-Afrique. Qu'est-ce que la France-Afrique? C'est le terme péjoratif par lequel on a désigné la politique africaine de la France, malheureusement sous le général de Gaulle et sous ses successeurs. Ça a été une réalité, il y avait une politique française indépendante, jusque nous dirions Giscard d'Estaing. Ensuite, progressivement, la France a rebasculé dans l'orbite américaine. À partir de Sarkozy et de Hollande, elle est totalement soumise à la politique étrangère de Washington. Et la France-Afrique est encore une réalité, mais c'est une réalité dans la mesure où les États-Unis acceptent que la France puisse jouer un rôle politique et avoir une influence économique. Mais qui est à la manœuvre en Libye? Qui est à la manœuvre au Mali? Qui est à la manœuvre en Centrafrique? C'est l'Africom, c'est le commandement américain de Naples. Et ceux qui ne voient pas ça ne comprennent pas que la France en Afrique, ce n'est plus l'impérialisme ou le néocolonialisme français, mais la France de François Hollande elle-même qui est devenue l'infanterie coloniale de Washington. La Russie occupe depuis toujours une place centrale dans vos analyses. Comment évaluez-vous les rôles joués par la Russie au cours des dernières années? Je vais vous faire la même remarque que la France. J'aime la culture russe, j'ai été marié à une Russe. Mais là, on est dans l'affectif ou le personnel. Je suis considéré, même dans les fausses biographies que Wikipédia me consente, je suis considéré comme un intellectuel slavophile. Mais ma position vis-à-vis de la Russie n'est pas déterminée par là. Elle est déterminée par la géopolitique. Actuellement, en Europe, et c'était déjà vrai dans les années 70 et 80, il n'y a plus qu'un seul État réellement indépendant de Washington, c'est la Russie. La Russie qui a une partie de l'héritage de l'Union soviétique, même si cet héritage est très réduit, qui est la deuxième grande puissance nucléaire, qui a des moyens, qui a des réserves, qui a un territoire immense, malheureusement pas une grande population, mais c'est la réalité. Nous pensons donc actuellement que la seule clé de la libération et de l'unification de la Grande Europe viendra de la Russie. Nous voyons la Russie comme le Piémont de l'Europe, vous êtes italien, vous savez donc le rôle qu'a joué le royaume de Piémont-Sardaigne dans l'unification, dans le Risorgimento. Nous rêvons d'un Risorgimento grand européen avec un Piémont russe. Il y a une autre analogie historique qui me plaît bien aussi, c'est celle de la Macédoine. Vous savez que les cités grecques qui partageaient une culture et une civilisation se disputaient entre elles. Elles ont été incapables de s'unir. C'est un peu ce qui se passe dans l'Union européenne. Et c'est une puissance de culture grecque, mais n'appartenant pas au noyau original, le royaume de Macédoine avec Philippe et Alexandre, qui a unifié la Grèce. Il l'a unifié par la force.
nous pensons que la Russie aussi peut avoir un rôle macédonien. Les raisons ne s'arrêtent évidemment pas à ça. Les raisons, nous vivons dans un monde conflictuel et nous ne vivons pas dans un monde virtuel. Dans le monde actuel, il n'y a pas des milliers de camps. Nous ne sommes pas de ces intellectuels dégénérés français de l'extrême gauche qui sont ceux de la politique du nini. Quand les Américains attaquent quelque part, ils ne sont pas pour l'OTAN, mais par exemple en Libye, ils ne sont pas non plus pour Kadhafi. Dans la vie, il faut prendre position. Et en géopolitique, il faut prendre position. Nous sommes donc avec la Russie. En ce qu'elle est le foyer de résistance à l'OTAN aux États-Unis, et en ce qu'elle est, vu de l'autre côté, vu des USA, l'adversaire principal. Mon organisation est intervenue dans la plupart des pays d'Europe orientale depuis plus de 15 ans maintenant. Nous avons aidé comme nous le pouvions dans des opérations politiques, dans des opérations de propagande. Nous sommes allés en Moldavie, nous sommes allés dans ce qu'on appelle la Transnistrie, la République moldavienne des. Nous sommes allés dans le Caucase, en Abkhazie, nous sommes allés en Arménie, nous sommes allés en Russie aussi au moment des élections, parce que c'est là-bas que ça se passe. J'ai moi-même eu à un moment de ma vie, dans les années 1998-2005, une très grande activité pour défendre les minorités russes dans les pays baltes. C'est une situation que j'ai vécue malheureusement intimement, puisque mon épouse était une russe de Riga. Deuxième chose, c'est ce que nous appelons la seconde Europe. La seconde Europe, c'est quoi? C'est une thèse géopolitique que j'ai définie dès 2006, c'est-à-dire que le bloc qui est en train de se reconstruire autour de la Russie, qui, avec des choses comme le groupe de Shanghai, le traité de sécurité collective, l'espace économique eurasiatique, l'union douanière, l'union étatique Belarus-Russie, etc., tout ceci contribue à créer un pôle de puissance à l'Est qui est une seconde Europe, une deuxième Europe, une autre Europe. Nous sommes extrêmement agacés de l'arrogance des politiciens européens qui ne sont que les petits caniches des États-Unis et qui prétendent qu'ils sont l'Europe. La Russie, c'est aussi l'Europe. Nous le disons maintenant depuis 30 ans. Cette seconde Europe, ce n'est pas moi uniquement, évidemment, qui la définis comme telle. Il y a des idéologues russes pour la définir. Et il y a également, au sein de l'Union européenne, notamment dans les instituts de l'OTAN, dans les pays baltes, des gens qui s'inquiètent de cette Europe qui se construit face et contre, disent certains, l'Union européenne. Et là, nous sommes au cœur de l'actualité. Ce qui se passe actuellement en Ukraine, ce n'est pas la question du gaz. Ce n'est pas la question des marchés, c'est le choc de deux visions antagonistes de l'Europe. D'un côté, l'Union européenne, c'est-à-dire une Europe qui est une annexe économique et militaire des États-Unis, qui aurait tendance à s'intégrer dans un ensemble transatlantique, ils le disent eux-mêmes, et face à elle, il y a une vision de l'Europe qui est une Europe indépendante, eurasiatique, comme le dit lui-même, et qui est la vision du président Poutine. J'ai été particulièrement satisfait, il y a quelques heures, du discours de Poutine sur l'état de la Russie 2013, puisque pour la première fois, Poutine non seulement s'oppose au monde occidental pragmatiquement, mais commence à définir une nouvelle idéologie russe. On est clairement là dans un schéma d'avenir. Nous disons donc l'Europe de Vladivostok à Reykjavik et pas l'inverse. Qu'attendez-vous de 2014? Je vais vous dire que je n'attends rien de particulier. Notre conception de la politique, de l'action politique, c'est une conception volontariste. Nous sommes des gens qui nous battons. Nous disons que ce qui est important, c'est de se battre et de vivre debout. Je suis personnellement quelqu'un. Je suis considéré comme un monstrueux ennemi par l'OTAN, le système belgicain. Je n'ai jamais abdiqué. Je vis droit, je rends les coups, je les rends bien généralement. Et c'est comme ça. Je suis un peu agacé de gens qui attendent des miracles, qui attendent des basculements, qui attendent parce que ces choses n'existent pas. Je voudrais particulièrement attirer l'attention, c'est que certains maintenant ont une vision optimiste, on parle un peu trop souvent d'un effondrement américain, etc.
Parlons franchement, il y a encore actuellement une seule superpuissance mondiale, ce sont les États-Unis. Là, à un moment donné, notamment l'intellectuel français Emmanuel Todd et moi-même, nous avons cru que les États-Unis allaient lentement s'effondrer, notamment pour la question de l'énergie du pétrole. Et malheureusement est arrivé le gaz de schiste, le pétrole de schiste. Et les États-Unis en 2018, non seulement vont être autonomes pour au moins une génération énergétiquement, mais vont exporter. Vous devez savoir une chose, c'est qu'il faut lire l'adversaire, il faut lire les géopoliticiens américains. L'un des principaux, parce qu'il est le porte-voix du lobby militaire et industriel américain, c'est George Friedman. C'est le patron de l'Institut de recherche Stratford. Friedman a écrit 2 livres de prospective politique et clairement il évoque un 21e siècle américain et il fait, mais lui et ses amis, un pari géopolitique, c'est l'effondrement de la Russie et de la Chine. 2014 par contre est une année importante pour mon organisation parce que nous allons, je vais dire, non pas commémorer, nous ne sommes pas des gens de commémoration, mais nous allons marquer un double événement. D'une part, les 40 ans du PCN, qui est né à son premier congrès en juin 1984, et deuxièmement, l'acte fondateur de notre idéologie, le livre de Jean Thiriard, Un empire, 400 millions d'Européens, qui a été écrit en 1964. 60 ans d'idéologie communautariste, 40 ans du PCN, qui est l'héritier légitime de Jean Thiriard, c'est quelque chose que nous allons marquer, notamment par beaucoup d'événements sur Internet et la reprise des publications éditoriales hors revue et hors Internet de nos éditions Machiavel. Je voudrais dire un dernier mot à la fin de cette interview aux lecteurs de votre revue. J'aime beaucoup votre titre. Votre titre, vous l'avez pris à Zouganov, à l'édition italienne de son livre, État et puissance. Vous savez que Zouganov est aussi, au niveau de la géopolitique, un des héritiers de Thiriard, qu'il avait rencontré en 1992, dans précisément l'édition italienne de Stato e Potenza. On rend hommage à Thiriard, à son empire euro-soviétique, et donc j'aime beaucoup votre titre. Nous sommes parfois en désaccord sur des choses secondaires, mais vous insistez comme moi sur la chose centrale. La chose centrale, c'est le rôle de l'État. Le problème de la crise économique, le problème de l'Union européenne actuelle, c'est la disparition de l'État. Disparition qui est voulue par la finance cosmopolite libérale internationale. Je pense aujourd'hui, et vous avez notamment dans vos colonnes, vous m'avez fait le plaisir de traduire et de publier en italien un de mes éditoriaux en 2012, où j'expliquais que le véritable clivage politique au XXIe siècle, ça ne sera plus la gauche et la droite, le fascisme ou l'antifascisme, le capitalisme ou le socialisme, mais les partisans de l'État contre les partisans du libéralisme. C'est clair, où nous allons rebâtir un État, et l'État assurera la sécurité, l'État maintiendra la civilisation, l'État réglera tous ces problèmes que sont les mafias, la grande criminalité, la drogue, qui sont des problèmes liés précisément à la disparition de l'État, où nous aurons le chaos libéral, chaos qui est organisé. Parce que dans la jungle, uniquement dans la jungle, seuls les plus forts, seuls les plus puissants survivent et mangent les autres. Ce n'est pas ma conception, ce n'est pas du tout l'avenir que je vois pour l'humanité. L'humanité a progressé quand elle a été capable de s'unir. L'humanité a progressé au niveau de la culture au sein de grands empires et jamais ailleurs. Il est temps que tous les partisans de l'État dans le monde se retrouvent, et ce sera le mot de la conclusion, et combattent ensemble le cauchemar du chaos libéral. Je vous remercie. Merci Luc Michel.